Aujourd'hui, nous sommes au lycée Jeanne Delanoue et nous allons interviewer les enseignantes de la section arts appliqués. Donc, Madame Billy, Madame Coutancin et Madame André. Donc, première question que je vais leur poser, c'est à quoi je dois m'attendre en tant qu'élève de troisième qui va rentrer en seconde au lycée Jeanne Delanoue. À quoi je dois m'attendre dans cette section? Donc, pour arriver en seconde art appliqué, je pense qu'il faut être assez curieux, aimer travailler les matériaux, aimer dessiner, ça c'est un peu une évidence, mais juste aimer, on est là aussi pour progresser, pour apprendre. Okay. On n'a pas besoin de savoir très très bien dessiner quand on veut rentrer dans la section art appliqué, au niveau seconde en tous les cas, ça c'est sûr. Être curieux, voilà, s'intéresser à l'art, aux différents domaines des arts appliqués, avoir aussi une curiosité qui les amène aussi à aller dans les musées, aller faire des visites de lieux où il y a, où chargé d'histoire, voilà. De culture. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur la seconde et le programme de seconde? Qu'est-ce qui caractérise les arts en seconde? Donc c'est une option qui se compose de 6 heures de cours semaine, une option qui est divisée en deux matières, 4 heures de création design qui va porter plus sur la manipulation, l'expérimentation et le dessin, et 2 heures de culture design où on va plutôt faire de l'analyse, de la découverte de designer. Et art. Donc, du tout le premier trimestre, c'est ce qu'on appelle, nous, on nomme ça ainsi, la boîte à outils. Donc, on va mettre en place des connaissances diversifiées. Et ensuite, on va démarrer sur des micro-projets qui vont répondre aux différents domaines de design. Donc, design de graphique, design de mode, objet et design d'espace aussi. J'en oublie peut-être... Communication, graphisme. Donc en fait tous ces micro-projets, ça leur permet de balayer un petit peu toutes les techniques graphiques, c'est ça? Oui, et puis les domaines de création en fait. Donc les domaines de création? On a dit design de produits, d'accord. Design d'espace, design graphique et design textile. Alors pourquoi ça c'est important? Ça va leur servir pour la première, la terminale et après? Ou c'est pourquoi s'organiser comme ça? Ça leur permet de découvrir toutes les possibilités qu'on peut avoir en design et surtout, oui, pour leur poursuite d'études, en fait. Parce qu'après, quand ils décident de poursuivre après un bac STD2A, ils vont plus se spécialiser dans un des domaines. Et est-ce que, justement, cette spécialisation, ils la définissent déjà à l'issue de la seconde? Ah non. 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 Non, non. On va dire, ils commencent à la définir en... dans leur projet de terminale. Au début de l'année. D'accord. Alors, ce bac STD2A, est-ce que c'est un bac qui demande beaucoup de travail personnel? Ça demande quand même un travail régulier, approfondi, surtout concernant justement tout le travail d'analyse, de recherche. Donc, il faut aussi se documenter pour trouver des références aussi et puis pratiquer justement une matière qui s'appelle l'analyse et méthode. Là où tout va être concentré au niveau des références, au niveau de la culture. Et il y a ce travail, bien sûr, de graphisme, travail graphique qui est très important. Il faut travailler régulièrement. La créativité, ça demande du temps, en fait. Voilà, ouais. C'est un travail qui est lié à la curiosité et puis aussi au savoir-faire, le dessin. Il faut pratiquer régulièrement pour progresser. Cette seconde, elle reste une seconde finalement de détermination. L'option, c'est une option comme dans les autres sections. Donc, vous disiez que 90% des élèves continuent dans la section. Pourquoi certains arrêteraient et qu'est-ce qu'il faut pour continuer finalement, pour être sûr de continuer? Donc, certains se rendent compte en fin d'année qu'ils aiment le dessin, mais pas au point d'en faire un métier. Un métier de création et de conception, et du coup c'est plus un loisir, donc là ils peuvent se réorienter vers une section plutôt art plastique entre autres, mais il peut y avoir autre chose aussi. Et quand on continue en art appliqué, il faut être sûr de vouloir avoir un réel intérêt pour
la conception et la création dans le domaine de design. Au métier d'art. Et métier d'art. D'accord. Et le programme de première, il va être axé sur quoi ? Alors, le programme de première, c'est surtout la mise en place de démarches de projet. Vraiment bien créer les... On parlait de boîte à outils en seconde. En première, on est plus sur des fondations au niveau de la démarche de projet. Comprendre comment on positionne les choses pour arriver à mettre en place la création. Pour arriver à une autonomie en terminale avec une réelle démarche de projet personnelle. D'accord. Quel lien vous faites avec l'enseignement général avec ce bac STD2A ? Alors nous partons bien sûr par rapport à des thématiques concernant justement la démarche de projet appliquée. Et dans ces démarches de projet, on y adjoint toujours un aspect technique, technologique, voire scientifique, qui permet aussi de faire des liens avec notamment les mathématiques, les sciences physiques. Et ça mène un plus aussi justement au niveau du traitement des projets par les élèves. Donc ça nous permet justement d'avoir des liens avec nos collègues d'enseignement général, profs de maths, profs de sciences physiques, même philosophie. Philo, dans les textes. On travaille aussi par rapport à des thématiques qui nous amènent aussi à discuter et avoir une argumentation dans les projets. Chaque projet est argumenté. Ce n'est pas que du dessin, c'est aussi de l'argumentation. On a pu voir sur les vidéos différents projets que vous avez menés avec les élèves. Comment vous les choisissez, vos projets ? Donc, on peut avoir des directives de l'inspecteur, mais on forme des élèves qui deviennent des futurs citoyens, éco-responsables ou responsables en tout cas. Donc, un futur designer, il faut qu'il se pose la question de l'écologie. Et on fait des thématiques en fonction de l'actualité aussi, tout ce qui est design social, écologie. Développement durable, ce qui est... Des exemples de projets que vous avez menés, là, par exemple, en première, en terminale ? Le biomimétisme, biomorphisme en terminale. Biodesign. On a travaillé également sur les enjeux du design, notamment avec le design social et l'éco-citoyenneté à travers le design. Nous, en première, on travaille sur l'emballage et le côté écologique de l'emballage. On a parlé de la seconde et de la première et la terminale. Donc l'aboutissement de ces trois années, donc, c'est la terminale. Qu'est-ce que vous voyez en terminale ? Vas-y. Oui, on travaille bien sûr toujours en transversalité. Les trois matières, on a la démarche de projet avec la pratique des arts visuels, la démarche créative. Et en à côté, on a l'ATC, Art Technique et Civilisation, et aussi la technologie. Donc ça permet aussi de concentrer aussi les recherches en fonction justement de ces différents aspects. On les prépare pour l'épreuve aussi, du grand oral, et puis de conception et de création, design et métier d'art. C'est une épreuve qu'on prépare aussi au cours de la terminale. Pour l'orientation, donc les terminales, une fois qu'ils ont bien mûri leur projet, vers quel type d'école, quel type de diplôme ils se dirigent généralement ?
se dirige vers soit un DNMAD, soit un DMA. Vous pouvez expliquer un DNMAD ? Alors, le DNMAD, c'est l'ancien BTS qui a été réformé en 3 ans. Donc, c'est peut-être plus simple de parler de BTS pour le lambda. Et donc là, ça va être spécifique au domaine de design. On va avoir un DNMAD en communication, en design textile, en espace. Mais également, un élève peut faire un DMA qui va se diriger plutôt vers un métier d'art, la marqueterie, la céramique, la mosaïque, par exemple. Et également, les élèves peuvent aussi rentrer en école d'architecture, donc avec le cursus long pour devenir architecte des PLG. Et après, toute école d'art est possible, aussi bien les beaux-arts, la fac, fac d'art plastique, fac d'histoire des arts. Donc l'ouverture est assez large. On peut rentrer dans toute école d'art en sortant d'art appliqué.